Je sais que vous êtes nombreux à avoir pris ce rendez-vous du 26 mai 2023. Le forum des rédactions d'EMA. Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour, selon d'où vous nous suivez. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir à ce rendez-vous du débat, rendez-vous d'échange des idées et donc rendez-vous d'analyse. Aujourd'hui, nous allons donc parler de deux sujets, création tous azimuts de groupes de soutien à Olivier Bocco. Le concerné est-il demandeur? C'est une interrogation. Et puis, mes débatteurs répondront, feront les analyses à ce propos. Deuxième sujet de cette émission, c'est bien la police républicaine. Pourra-t-elle relever un jour le défi du rançonnement au Bénin? Nous allons donc faire les analyses à ce propos et faire des propositions de solutions. Les débatteurs sont déjà dans ce studio. Je vous les présente juste après cette virgule. À ma gauche, il est connu, il est habitué de ce studio, du forum des rédactions, Marc Goudianou. Bonsoir. Bonsoir Maury, bonsoir à tous les auditeurs de Diaspora FM et à tous les téléspectateurs de EDEM TV. C'est un plaisir d'être avec vous. Vous êtes journaliste, analyste politique, directeur de publication de Info au Zénith. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est difficile de vous avoir quand même. Oui, c'est vrai, parce que même quand j'étais là, et les techniciens me disaient, mais ça fait longtemps, je dis, oui, c'est vrai. À un moment donné, il faut disparaître un peu pour mieux réapparaître. Très bien, très bien. Bonne philosophie. À ma droite, Sergino Locosu, jeune, compétent en matière d'analyse. Merci d'être venu, Sergino Locosu. C'est moi qui vous remercie. Bonjour Gilles, bonjour à mon confrère, mon frère et confrère, Magouyan. Vous m'avez appelé Gilles. Non, j'ai dit Mouril, pardon. Mouril. Bonjour également à tous les téléspectateurs de EDEN TV et à tous les internautes qui nous regardent ici au Bénin, en Afrique et dans tout le monde entier. Vous êtes journaliste, analyste politique. Je confirme. Et producteur de contenu. Vous êtes à la primeur. Par ailleurs. La primeur. Oui, je confirme. D'accord. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. Le premier sujet, c'est bien celui annoncé, création tous azimuts de groupes de soutien à Olivier Bocco. Le concerné est-il demandeur trois ans donc de 2026 et certains groupes ou voix se lèvent déjà pour appeler appeler des personnes à être candidats. C'est par exemple le cas de Olivier Bocco. Marc Goudianou, est-ce que ce n'est pas trop tôt? Nous sommes en 2023 et déjà à trois ans de 2026, on appelle certaines personnes à être candidats pour les élections présidentielles. Pourquoi ces agissements? Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Bon, merci beaucoup, Maury. Avant de revenir rapidement à la question que tu me poses, je voudrais rappeler d'abord, en quelque sorte, de façon très brève, qui est Olivier Bocco à certains Béninois, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas. D'accord, il faut rappeler que Olivier Bocco est un très proche du chef de l'État. Et c'est quelqu'un qui n'était, bon, certains pensent peut-être que c'est un ami de très longue date du chef de l'État, ou bien peut-être qu'il a grandi avec le chef de l'État, ce qui n'est pas le cas, parce qu'ils se sont croisés et dès la mandature de Kérékou, où Romuald Bocco était déjà dans les affaires et côtoyait déjà un certain Salé, déjà Saka, où il faisait déjà les affaires dans les pneumatiques. Vous avez dit Romuald Bocco au lieu d'Olivier Bocco? Non, Olivier Bocco, autant pour moi, Olivier Bocco. Donc, ce qui a fait que il était dans le monde des affaires, ce qui a fait que il a eu à entrer en contact, à être en contact avec Patrice Talon, qui était déjà dans les intrants agricoles déjà. Donc, c'est là où le brassage est né entre les deux hommes. Mm.
Donc, du coup, il y a eu une confiance mutuelle parce qu'il faut remarquer que lorsque les deux hommes s'étaient rencontrés à l'époque, c'était qu'ils ne partageaient pas forcément les mêmes opinions parce qu'il faut remarquer qu'à l'époque, le régime Kérékou était aux trousses de Patrice Talon à l'époque, au niveau où on lui retirait même certaines de ses usines pour les intrants agricoles et on les confiait généralement à quelqu'un d'autre. Le Olivier Bocoy également, qui prenait encore en charge un certain nombre de secteurs, mis à part le secteur agricole. Donc du coup, il faut remarquer que l'amitié est née entre les deux hommes, et puis c'était une amitié d'affaires beaucoup plus. Puis ça a évolué dans le temps jusqu'à ce que l'on puisse arriver au bruit qu'il y avait eu entre Yahi et Patrice Talon. Et on a vu qu'Olivier Bocoy s'était exilé au même titre que le chef de l'État à l'époque. Et ça a consolidé le lien qu'il y avait entre les deux hommes, parce qu'il y avait un lien d'affaires entre eux. Et vous savez, lorsqu'il y a un lien d'affaires entre deux hommes et que ce lien reste solide pendant dans le temps, c'est-à-dire que ça dure dans le temps, ça veut dire qu'ils sont fidèles l'un à l'autre en affaires. Sinon, du coup, il n'y aurait pas du tout d'amitié entre eux. Donc, ils ont gardé ces liens. Et lorsque vous avez des problèmes et que, mis à part le fait que cette personne entretient des liens d'affaires avec vous et que vous rentrez maintenant dans des problèmes politiques et que cette personne est également à vos côtés et vous soutienne, je vous rappelle que je me rappelais à une époque où on faisait les reportages sur les îles de Patrice Talon. Olivier Bocoy était parmi les premiers qui se levaient déjà chaque matin pour aller au domicile du chef de l'État en France. D'accord ? Tous les matins. Donc ça veut dire, ça impliquait beaucoup plus l'amitié qui a commencé par naître entre les deux hommes, l'intimité qui a commencé par naître entre les deux hommes. Et puis, il ne faut pas l'oublier aujourd'hui, lorsque vous prenez parmi les proches du chef de l'État, je vous jure qu'à part sa femme, c'est Olivier Bocoy. Les personnes qui peuvent mieux lui parler aujourd'hui pour qu'il puisse entendre peut-être c'est sa femme, ou mis à part sa femme, il y a Olivier Bocoy. Ce qui fait que dans le cercle même du chef de l'État, certains parmi eux craignent déjà Olivier Bocoy. D'accord. Alors, lorsque j'en viens à la question de savoir, est-ce que ce n'est pas trop tôt pourquoi ces agissements de susciter... À trois ans de 2026. C'est vrai que ces actions peuvent naître indépendamment, d'accord, de l'homme d'affaires, Olivier Bocoy, qui est impliqué. Pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler que nous sommes dans un contexte où le chef de l'État, d'abord, est entouré de beaucoup d'hommes, d'accord ? De beaucoup d'hommes politiques et de beaucoup d'hommes qui sont également dans les affaires. Et voyant que le chef de l'État est en train de finir son mandat, et voyant l'amitié ou le lien très proche qui existe entre le chef de l'État et Olivier Bocoy, on se dit probablement que le chef de l'État est en train de prévoir mettre en place un dauphin. Alors, s'il doit mettre en place un dauphin, la première personne à qui on pense immédiatement, c'est Olivier Bocoy. Alors, qui sont les « on » Bon, je parle de tous ceux qui, de tout observateur en général. Mais là, dans ce contexte, ceux qui sont déjà proches du chef de l'État, d'accord, et qui profitent, d'accord, qui profitent bien de la gouvernance Talon aujourd'hui, lorsqu'ils vont vouloir que Talon parte, ils vont vouloir que c'est quelqu'un qui soit bien connu, qui s'approche du chef de l'État, qui soit installé. Et donc, du coup, ayant déjà peut-être des affinités également avec Olivier Bocoy ou bien avec des proches d'Olivier Bocoy, ils vont se dire, ah, il faut forcément qu'on commence par susciter la candidature de ce dernier afin que cela soit une continuité, même après le départ de Patrice Talon, qu'il y ait une continuité parce qu'on dit que celui qui a vu... Et Olivier Bocoy a vu Patrice Talon, dit-on. Donc, du coup, ils se disent que, étant donné que nous sommes déjà dans le cercle, d'accord, du chef de l'État, nous sommes déjà autour du chef de l'État, et que le chef de l'État est en train de vouloir finir son mandat, est-ce qu'il ne faudrait pas anticiper pour pouvoir commencer par susciter une candidature qui soit très proche du chef de l'État en la personne d'Olivier Bocoy, que de laisser peut-être le chef de l'État ou bien de laisser un autre dauphin, d'accord, qui est tapis peut-être dans l'ombre du chef de l'État, autour du chef de l'État, de se prononcer pour dire qu'il voudrait être candidat ou bien de commencer par intenter des actions politiques dans l'ombre. Donc, je crois que c'est sur cette visée peut-être que beaucoup, ils ont déjà commencé même déjà par avoir cette envie de pouvoir... ça a commencé déjà par les hommes religieux, par les pasteurs qui ont commencé cette opération. Et il faut rappeler que bon, les pasteurs l'ont commencé, pourquoi ? Parce qu'Olivier Bocoy, il est évangéliste. Il est évangéliste, donc du coup, ceux qui se sentent un peu plus proches de lui, ce sont les premiers là qui ont commencé par animer la chose. Mais il faut remarquer que ni le chef de l'État,
ni Olivier Bocor ne se sont jamais prononcés sur la question, d'ailleurs. Ne se sont jamais prononcés sur la question. Donc, on ne peut rien dire pour le moment. Bon, si à un moment donné, les citoyens ou bien certains proches de cet homme politique ou bien de ces hommes politiques ont décidé peut-être de commencer très tôt à pouvoir faire la chose, je crois qu'ils savent pourquoi ils le font. Ils ont des intérêts forcément inavoués parce qu'on ne fait rien sans rien. À trois ans... On reviendra à ces analyses. À ces analyses, voilà. À trois ans de fin de mandat de Patrice Talon, je crois que c'est un peu trop tôt, mais on ne sait jamais. On ne sait pas pourquoi ils le font. Ils savent pourquoi ils le font. Et peut-être dans les développements, on va voir beaucoup plus, avec l'analyse de Sergino Locosso, on va rentrer beaucoup plus dans d'autres détails. D'accord. Merci pour toutes ces précisions, Marc Goudjanou. Je me tourne vers vous, Sergino Locosso. Oui, je vais vous poser la même question. C'est quand même... étonnant, on a l'habitude d'assister à ces genres d'agissements un an avant l'année électorale. Mais là, nous sommes à trois ans de 2026 et puis ça s'agite déjà dans l'opinion publique que voilà, il faut tel pour être président et précisément on désire le nom d'un proche du chef de l'État. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que... Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Deux choses me semblent fondamentales dans le cas des espèces. Quand vous jetez un regard passéiste, le fait de susciter la candidature d'une personnalité, qu'elle soit dans l'entourage du chef de l'État ou qu'elle soit en dehors du pays, ça n'est pas nouveau. On a vu en 2000, avant de 2006... On a vu ça sous Boni Yayi, qui était à la BOAD. On a vu qu'il y a quand même des organisations, des initiatives qui ont été prises pour susciter sa candidature. On a vu ça. C'est vrai qu'en son temps, lui n'était pas dans le sérail du pouvoir de Mathieu Kirikou. Sur le fait, vous allez constater également, l'autre chose que moi j'ai constaté, Marc Goudjanou l'a rappelé, c'est la personnalité dont il s'agit. Il s'agit de M. Olivier Bocor, un proche du chef de l'État, il a y a planté le décor de leur amitié et tout. Je ne veux plus revenir, là-dessus. Mais c'est pour dire quoi? Le fait n'est pas nouveau dans le landerno politique, dans l'univers politique béninois. Ce fait n'est pas nouveau. C'est ce qu'on pourrait appeler, sans prendre le risque d'insulter ou de froisser les sensibilités, une agitation préélectorale. On a constaté, ce sont les pasteurs, et Marc Goudjanou l'a rappelé, que Olivier Bocor a dû peut-être commencer par ses proches. Il est évangélique et donc on se sent mieux que dans son biotope, dans son milieu naturel. Vous avez dit qu'il a dû commencer. Est-ce que quand je dis, c'est lui qui suscite cela. Vous me poussez à aller vers cette question alors que non, je ne serai pas maintenant que non, je voudrais je vous ne la serai poser. Pas affirmatif. Nous sommes en politique et en politique, les faits ne parlent qu'aux esprits avertis. C'est vrai que quand vous voyez les agissements, le déroulement des faits, les faits ne parlent que d'eux-mêmes. C'est vrai que Olivier Bocor n'a jamais signifié qu'il est demandeur d'un tel soutien. Mais je vais vous rappeler ceci. En dehors des pasteurs, début du mois de mai ou fin avril, il y a quand même les CCA qui ont également appelé, organisé une manifestation pour montrer que le chef de l'État travaille bien. Ils ont fait un bilan des actions du chef de l'État depuis son accession au pouvoir. C'est récent, ça. Et ils ont demandé que... Ils disaient... Ils ont fait aussi des propositions. Ils ont fait des propositions. Pour améliorer ce qui se fait. Lors de la rencontre, ils disaient que leur parrain était Olivier Bocor. Et donc, quand des initiatives du genre sont prises et on donne le nom d'une personnalité qui, du moins, n'a jamais dit qu'il n'a pas des ambitions présidentielles, qui, du moins, n'a jamais refusé et qui refuserait d'aller... à une élection présidentielle, c'est vrai qu'il y a des considérations politiques que nous ne maîtrisons pas. Il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. Mais quand on laisse la chose en l'État, qui vous rappelle que le chef de l'État, déjà un peu avant 2021, quand les gens ont commencé par afficher ces posters géants, ils ont commencé par susciter sa candidature pour le second mandat, pour nous obliger au culte de la personnalité, il a tout fait d'arrêter ça. Mais Olivier Bocor, c'est vrai que Marc Goudjanou l'a rappelé, le chef de l'État, dans des confidences, j'aurais appris, je n'ai pas confirmation, aurait dit qu'il est capable, il a vu nu. Et que donc, ça, c'est pour dire quoi? Qu'il y a une certaine complicité entre les deux. Si le chef de l'État n'a pas réagi, si lui-même, le concerné, n'a pas réagi, mais les actions continuent. Les actions
d'appeler Olivier Bongo. C'est une façon de laisser les enfants s'amuser. Non, les blés, écoutez, c'est vrai, nous sommes en politique. La politique, elle est différente d'autres secteurs. Et quand c'est comme ça, à quelques années de l'élection présidentielle, je vais vous le je ne vous en sais rien. Ça ne se prépare pas la veille. C'est bien avant, c'est des années avant pour le meilleur candidat. Il prépare l'élection pas à 2 ans ni à 3 ans. Ah ouais? Mais c'est depuis longtemps, c'est depuis des années qu'il prépare. Parce qu'il sait qu'il a un objectif à atteindre. Il veut aller aux élections présidentielles. C'est vrai que M. Olivier Bocor n'a jamais signifié qu'il serait candidat. Mais on apprend et on voit que des actions du genre, des initiatives sont prises en son nom. Et on fait des messes d'action de grâce. On profite pour louer la gouvernance du chef de l'État. On profite pour louer la générosité d'Olivier Bocor. Paraît-il qu'il est très généreux. Pour le moment, moi, je n'ai jamais bénéficié de sa générosité. Mais ce que j'entends, il est très généreux envers ses amis pasteurs, envers ses amis qui ont suscité sa candidature, jusqu'à écrire son nom sur document. On ne peut pas quand même pas écrire ton nom sur un document sans t'aviser, sans t'informer. Il a été... ça peut se faire. Au Bénin, les gens font beaucoup de choses sans vous informer. Il faut vous dire que dans ce qui se fait au niveau de ce système, de ce sérail politique du chef de l'État, rien n'est fait au hasard. Donc ça veut dire que vous m'obligez à... Je ne confirme pas que ça a été... Enfin, il a donné son accord, mais je me dis... On l'aurait peut-être appelé ou ses proches pour dire on a besoin, oui, on a besoin de prendre son nom. Vous m'obligez alors à vous poser clairement. Mais pourquoi on n'a pas pris, le nom de Maurice Lagoua? Pourquoi on n'a pas suscité la candidature? Pourquoi on n'a pas parlé de ce que Maurice Lagoua? Pourquoi on n'a pas suscité la candidature de Romia Douadaï? Voilà, par exemple, pourquoi on n'a pas dit Maurice Lagoua? Il est journaliste à Eden TV, il est bon, il fait bien les débats. Donc, pourquoi on n'a pas fait ça? Pourquoi on a choisi Olivier Bocor? Et donc, nous sommes en politique et je pense que les faits ne parlent qu'aux esprits avertis. On ne fait rien pour rien, comme Marc Goudian l'a rappelé tout à l'heure. Je pense que ce n'est pas nouveau, mais ça montre et que si l'intéressé n'a pas réagi. Et ce n'est pas une seule action, ce n'est pas la première fois qu'on parle de lui. C'est déjà plusieurs choses qui ont été faites. Donc, s'il ne dit rien, c'est que ça fait partie peut-être d'une stratégie bien peaufinée. Et il laisse faire, et puis après, lui-même va réapparaître. Nous sommes en politique, et les acteurs politiques, ils sont très rusés, ils sont très intelligents, ils sont très futés en matière de stratégie. Marc Goudianou, au regard des propos tenus par Sejino Lokosou, peut-on alors dire que c'est peut-être l'intéressé même qui... Un demandeur qui incite les gens à susciter sa candidature. Non, ce que je peux dire, tel que je l'ai dit à l'entame de l'émission, c'est qu'il faut remarquer que M. Olivier Bocor est, dans l'ombre, hein, en griffe, la deuxième personnalité de l'État, que l'on le veuille ou non. Ce n'est pas officiel. Je ne serai pas d'accord avec vous si la deuxième personnalité est la vice-présidente que tout le monde connaît. Je ne vous laisserai pas nous dire ça sur ce plateau. Je dis dans l'ombre. Je n'ai pas dit officiellement. D'accord, j'ai dit dans l'ombre. Ça veut dire que il joue un rôle important dans le sérail du système. C'est vrai qu'il n'a pas de bureau à la présidence. Exactement. C'est quelqu'un qui est très proche du chef de l'État. Ça veut dire qu'il a un certain nombre d'informations très avisées. Donc du coup, on peut amener un certain nombre d'actions, par exemple, sans qu'il ne soit informé. C'est impossible. Ça veut dire qu'il est informé de tout ce qui se fait. Lorsqu'on laisse les sorties, c'est parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler des sorties télévisuelles. Mais vous connaissez comment ça se passe au Bénin. Sejino Lokosou, nos amis, nos frères, ils s'associent, ils cotisent et ils ne commencent pas à appeler votre nom parce qu'ils savent que ils seront les premiers à bénéficier de ça. Au début du mandat de Patrice Talon. Vous n'allez pas me dire que forcément il est informé. Qu'on l'a consulté avant de poser des actes, comme on l'a vu du côté de Porte-Novo. Monsieur Maurice Agua, c'est la parole. Vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est pour dire qu'en réalité, la personnalité dont on parle n'est pas n'importe qui. D'accord? Et il ne peut pas avoir des actions du genre sans qu'il ne soit informé. Je ne dis pas qu'il donne quitus à ça. Hein. Je ne dis pas qu'il donne quitus.
mais je dis qu'il est informé. Et mis à part le fait que les gens fassent des sorties télévisuelles, d'accord, ce qui se passe dans l'ombre, allez sur les réseaux sociaux, allez dans les groupes WhatsApp, il y a beaucoup de choses qui se font au nom d'Olivier Bocor, en griffe OB. Il y a beaucoup de choses qui se font. Donc, du coup, nous, on est des acteurs du secteur de l'information. Comme ça a été fait donc, au nom de, du président Patrice Talon avant son arrivée. On sait ce qui se passe. Maintenant, en revenant à votre question, par exemple, qu'il soit demandeur ou non, je pense que c'est légitime. Qu'il soit demandeur, ça ne nous gêne en rien. Qu'il ait des ambitions. Céline l'a dit tout à l'heure, qu'il ait des ambitions politiques, c'est légitime. Qu'il le fasse 3 ans en avance, c'est une façon de se préparer. Exactement. Personne ne vient au pouvoir en venant à 1 an aux élections. L'urgence, ce n'est pas ça. L'urgence, c'est que les populations trouvent à manger. C'est que c'est de régler les problèmes action, des populations. Cette action n'entrave en rien la gestion du pouvoir. La gestion du pouvoir, c'est Patrice Talon qui le fait avec les membres du gouvernement. Ça ne gêne en rien. Mais ça dérange certains sensibilités. Il n'occupe aucun poste stratégique au sein du gouvernement qui puisse lui empêcher, par exemple, ou puisse l'empêcher de pouvoir faire ce qu'il fait, ou bien même s'il ne le fait pas de façon... Je vous souffle en tant que... Selon les informations que j'avais eues en temps, c'est que le chef de l'État n'avait jamais voulu qu'après lui, qu'un homme d'affaires comme lui prenne le pouvoir. Ah oui? Ah oui. Il n'avait pas voulu. Mais c'est pour ça que la réforme du système partisan était normalement un bon dispositif, d'accord, qui permettra quand même de définir un probable dauphin. D'accord. Mais vous avez vu que dès l'entame, même au sein de ces blocs, de ces 2 grands blocs, il y a des problèmes, d'énormes problèmes qui se posent aujourd'hui. Et ces problèmes font que peut-être le chef de l'État se pose même la question de savoir est-ce qu'il pourra trouver réellement un bon dauphin au sein de ces grands ensembles? Point d'interrogation. On a vu la sortie de Joseph Diogbénou de la Cour constitutionnelle et on a vu les supplications, ce qui a été commencé par être alimenté dans l'opinion publique. Mais finalement, on a vu que ça n'a plus donné l'effet que ça devait donner. C'est comme s'il est en quelque sorte au garage, d'accord? Ce qui fait qu'on se demande, mais est-ce que parmi les acteurs politiques aujourd'hui sur l'échiquier national, est-ce qu'il y a effectivement quelqu'un à qui aujourd'hui le chef de l'État peut se fier, d'accord, pour dire qu'il va en faire peut-être un dauphin aujourd'hui? La question est très posée. Je suis sûr que le chef de l'État se pose cette même question au jour le jour. Mais si... Dans tout cet imbroglio, lui-même, en se posant ce genre de questions, il voit que, du début, en étant homme d'affaires, d'accord, la personne qui lui a été le plus fidèle en tant qu'homme d'affaires, en tant que partenaire d'affaires, et même politiquement parlant, la personne qui l'a le plus encouragé à devenir homme politique, à devenir chef de l'État, si c'est M. Olivier Bocor, je crois qu'il le connaît mieux. Et si, à un moment donné, il décide d'en faire un dauphin, qu'on le veuille ou non, et que même la population ait suscité son candidat ou non, d'ici là, on saura ce qui se passe. Et on sera tous, en tout cas, d'accord sur les positions des uns et des autres. On verra clair, de façon très limpide, pour savoir ce qui se fera. De toutes les façons, ça ne nous gêne pas, nous, en tant qu'observateurs. Je crois que la vie politique... Quand on sait, ce qu'il faut souligner, ceux qui font des prières pour Olivier Bocor, quand vous les entendez dans leur discours, ils savent que Olivier Bocor joue un rôle important dans le système du président Patrice Talon. Et ils l'ont dit dans ceux qui ont suscité, je crois, les pasteurs disaient que c'est pour l'inviter à continuer l'œuvre qu'il est en train de faire pour la réussite du second mandat du chef de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même s'il n'a pas de poste à la présidence, même s'il n'a pas de titre officiel, ceux qui suscitent sa candidature, ceux qui le prennent pour parrain, savent qu'il joue un rôle important dans le système. Et donc, ce faisant, s'il le fait comme ça, c'est que peut-être que... Je rejoins l'analyse de Marc. Il peut continuer à jouer ce rôle pour le président qui viendra en 2026 au lieu de vouloir être président lui-même. Je ne refuse pas. Pourquoi on n'a pas dit, Sergino Locosu, on fait des prières de bénédiction pour vous? Et on vous invite à continuer l'œuvre que vous êtes en train de faire pour la réussite du second mandat du chef de l'État. Je ne suis pas dans le système. Et donc, on a de grandes personnalités qui sont entourées du chef de l'État. Mais pourquoi, par exemple, lorsque vous prenez le président Joseph Diogbénou, par exemple, qu'est-ce qui empêche qu'on suscite sa candidature? Puisqu'il n'occupe plus aucun poste.
D'accord. Donc, du coup, il est le président du parti. Donc, c'est quelqu'un dont on peut suicider la candidature. Pourquoi ça ne se fait pas actuellement? C'est des interrogations. Pourquoi ça ne se fait pas? Vous prenez le président Abdoulaye Diochari. Pourquoi ça ne se fait pas actuellement? Donc, ça veut dire qu'il n'y a jamais rien sans rien. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils sont informés. Bien que certains aient pris l'initiative, ça veut dire que ce soit M. Olivier Bocquet, que ce soit le chef de l'État, que ce soit l'entourage du chef de l'État. C'est vrai que l'entourage du chef de l'État, eux tous ne peuvent pas aimer l'homme. C'est normal. Parce que lorsque vous êtes plus proche du chef de l'État et que vous êtes en quelque sorte le confident du chef de l'État et que vous participez à certaines grandes décisions, c'est sûr que ça va bouleverser les habitudes. Et parfois, on voit dans la délégation officielle du chef de l'État, ça peut créer des jalousies. Et ça suscite toujours, ça crée toujours de jalousie, ça c'est clair. Et en tant que proche du chef de l'État, pensez-vous que cela va plaire ou cela plaît actuellement au chef de l'État que des gens suscitent la candidature de Olivier Bocquet? Non, moi je pense que fondamentalement, le chef de l'État n'est plus candidat à rien. Il n'est plus candidat à rien. Et c'est vrai, Marc l'a rappelé, quand il plantait le décor, quand vous lui avez fait, quand vous lui avez fait la première question, il a expliqué un peu la complicité, l'amitié qu'il y a entre les deux hommes. Et si des personnalités de ce rang-là, du rang de M. Olivier Bocquet, si on appelle son nom pour dire il est notre parrain, on prie pour lui, pas pour le chef de l'État, on prie pour lui pour dire de l'aider, de continuer à faire l'œuvre qu'il est en train de faire pour la réussite du second mandat du chef de l'État. Si on le fait, et le chef de l'État qui n'est candidat à rien, c'est son ami, c'est son confident, lui-même aurait dit que il peut... Est-ce que vous savez que le chef de l'État aime la discrétion? Il a venu... Est-ce que vous savez qu'il n'aime pas le tapage? Je sais qu'il aime faire les choses bien sans trop de... ni lui, ni Olivier Bocquet ne se sont jamais prononcés sur la question. Non, c'est pour dire quoi que ils n'ont pas dit qu'ils sont demandeurs ou non de trucs-là. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne dit rien que consent. Qui ne dit rien qu'on sent. Mais on ne peut pas... Non, je dis, c'est suffisamment grave, en fait, de prendre le nom des personnalités que vous ne connaissez pas et vous dites qu'ils sont parrains. Vous ne l'avez pas informé. Il peut intenter un procès contre vous pour ça, mais on n'a entendu rien de tout ça. Et donc, ça voudra dire que, quelque part, peut-être qu'il est en train de les observer pour voir jusqu'où iront ces messieurs-là. Ces personnes qui se disent... qui apprécient ce que je fais aux côtés du chef de l'État, même si ce n'est pas officiel, ce que fait aux côtés du chef de l'État, s'ils apprécient et s'ils pensent qu'il doit faire des prières de bénédiction pour lui, pour continuer, pour aider le chef de l'État à réussir son mandat, ça ne se fait pas ex nihilo. Ce n'est pas... L'autre alternative, c'est que même s'il arrivait, d'accord, que le chef de l'État choisisse un autre dauphin, en dehors d'Olivier Bocquet, par exemple, et que même si le chef de l'État le choisissait, je suis sûr que ce serait forcément sur avis de M. Olivier Bocquet. Et quand ce serait le cas, c'est fort probable que même ceux qui suscitent la candidature d'Olivier Bocquet actuellement se rallient rapidement à la cause de ce dauphin qui sera choisi. Donc, pour moi, le problème ne se pose même pas. Une belle analyse, là. Le problème ne se pose même pas. Moi, le problème ne se pose même pas parce que ils sont dans un même cercle, d'accord, très intime. Donc, du coup, le dauphin qui viendra, je crois que ce soit Patrice Talon, que ce soit M. Olivier Bocquet, les deux participeront à trouver un dauphin idéal pour la continuité des actions du chef de l'État. Voici ma troisième question, puisque déjà vous avez semblé embrayer sur la piste. Lorsqu'on sait que cette précipitation des groupuscules a suscité des candidatures et surtout des proches du chef de l'État, est presque une stratégie. Est presque une stratégie. Ne peut-on pas se demander si cette stratégie n'est peut-être pas à mener le chef de l'État à abdiquer lorsqu'on sait qu'en 2016, il avait dit qu'il serait, il fera un seul mandat et qu'après, il a dit qu'il peut montrer qu'en 5 ans, on peut faire le job, mais pourtant, là, il est à 7 ans de mandat. Est-ce que ce n'est pas une manière pour les gens
de commencer par susciter très tôt déjà une candidature pour que le chef de l'État, pour décourager le chef de l'État, ne pas dire bon, écoutez, en 2026, je serai de la partie. Est-ce que vous me voyez? Oui, je vois là où vous en venez. Je peux aller vers Sergio Le Gosso. Sergio Le Gosso. Non, moi, cette hypothèse ne me semble pas. Ça ne répond pas, à mon avis. Sinon, comment expliquer qu'à 3 ans, on commence par susciter de candidature? Est-ce que ce n'est pas vous, vite dit au chef de l'État? C'est fini, c'est fini. Pourquoi je dis? Comme on le disait, Yaïboni, c'est fini, donc Talon, c'est fini. Pourquoi ce n'est pas une stratégie? Pourquoi je le dis? C'est vrai que c'est. Nous sommes dans l'univers politique où 1 + 1 ne font pas forcément 2, quelqu'un l'a dit. Nous sommes également dans un état de droit et c'est inscrit dans la Constitution que nul ne ferait plus de 2 mandats de toute sa vie. Et le chef de l'État y tient comme à la prunelle de ses yeux cet article de notre Constitution. C'est vous qui le dites ? Non, les faits sont là. Il a dit à maintes reprises. Et donc, je pense que quand on s'en tient seulement à la Constitution... L'Assemblée nationale n'a pas dit son dernier mot. Je ne refuse pas. Mais pour le moment, nous sommes dans un état de droit et ce sont les lois qui gouvernent. Ce n'est pas les hommes, ce sont les lois qui gouvernent. Et je sais que le chef de l'État, il est respectueux des thèses de la République. On ne peut jamais dire jamais. Je ne refuse pas. Mais pour le moment, je m'en tiens en l'état actuel, je m'en tiens à la Constitution de notre pays, puisqu'elle n'a pas encore été modifiée. Je ne sais pas s'il sera modifié, si elle sera modifiée ou pas avant 2026. Et donc, dans ce cas-là, je pense que ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible qu'on puisse travailler dans l'ombre pour le chef de l'État, pour sa réélection. Non, le chef d'État n'est pas demandeur. Je pense qu'il ne le fera pas. Comme vous l'aviez dit, il aime faire les choses avec élégance. Il aime faire les choses avec style et méthode. Et il a de la méthodologie. Depuis qu'il est... je ne suis pas un laudateur, mais en tant qu'observateur de la vie politique du pays, je pense qu'il a quand même, il faut avoir le courage de le dire, il a quand même amené, on va dire, une nouvelle ère dans le style de gouvernance. On peut avoir des choses à reprocher à sa gouvernance de façon pratique dans beaucoup de secteurs, mais le style a changé. Il y a quand même, on a noté un peu... La finesse. Je ne le dirai pas. Mais le style a changé. On a quand même noté que par rapport au système antérieur, au régime passé, il y a quand même une nouvelle façon de faire qui est venue. Donc je pense que si on s'en tient à notre Constitution, le chef d'État n'est pas demandeur. Mais ce que les gens sont en train de faire, ces personnalités ou bien ces personnes, ces groupuscules qui suscitent, ils ont peut-être un objectif qu'ils sont en train d'atteindre. L'objectif, c'est ceci. On ne fait rien pour rien. Et nous sommes dans le champ politique. Et le contexte économique actuel est un peu dur. Et donc, on sait que M. Olivier Boucaud est très généreux. C'est un philanthrope. Et donc, il faut quand même faire des actions pour montrer que vous êtes notre parrain. Le parrainage, pour soutirer un peu d'argent. Parce qu'on les a vus sous Boni Yaï, ceux-là qui pensent maintenant qui sont en train de faire des prières de bénédiction pour demander à M. Olivier Boucaud de continuer l'œuvre pour aider le chef d'État à réussir son second mandat. On les a vus sous Boni Yaï, faire des messes d'action de grâce, faire des prières au niveau des carrefours stratégiques, tous les jours pratiquement. Et on louangeait le chef de l'État. Il est bon, il est le Messie, il est l'envoyé de Dieu. Vous allez voir maintenant, les discours vont changer. Et souvent, ce sont les hommes de Dieu qui adoptent cette posture-là et qui, parfois, met la charrue devant les bœufs, on va le dire. Parce qu'actuellement, il est vrai qu'il faut préparer, si M. Olivier Boucaud a des ambitions politiques, on ne peut pas le refuser. Déjà que lui-même, personnellement, n'est jamais monté au créneau pour dire « j'ai des ambitions ». Il n'a pas besoin de monter au créneau, de parler, mais des actes forts peut parler. Déjà qu'il n'a pas posé d'actes, déjà qu'on ne l'a pas encore vu, du moins de ma position. Je n'ai pas, peut-être que j'ai manqué de suivre cette actualité-là. Je n'ai pas encore vu dans une église en train de dire « bon, je suis là pour faire ci, pour faire ça ». Je ne l'ai pas encore vu. Maintenant, si les hommes, ils le font, c'est que c'est peut-être, on va dire, une filière qui a été beaucoup développée sous l'ancien président Boni Yaï. Peut-être qu'ils sont en train de ramener cette filière-là, surtout avec le contexte économique actuel qui est où il faut vraiment, vraiment travailler comme l'a dit la parole biblique, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Dans ce contexte économique. Donc, je pense que les actions en matière politique, dans l'univers politique, à quelques mois des élections ou à quelques années de l'élection présidentielle, il y a de ces groupuscules qui trouvent des noms, des chiens de garde, des fous du roi,
des noms pas possibles pour soutenir des personnalités, parce qu'on sait que ceux-là, ils ont peut-être une assise financière. Et il faut le dire, M. Olivier Bocor, c'est ce qu'on peut appeler un entrepreneur abouti. C'est sous de tout. Accompli. Un homme d'affaires accompli. Accompli, abouti. Sous de tout, on parlerait de success story. Donc, on sait qu'il a, une assise financière, il est assis. Donc, si on lui présente des initiatives bien huilées, bien pensées, il peut quand même mettre la main à la poche. Et donc, je pense qu'il faut également analyser le problème sous cet angle-là. Il ne faut pas forcément dire qu'il est demandeur, il n'est pas demandeur. Mais il n'y a que ceux qui le font, ils visent des objectifs. On a vu par le passé des chiens de garde, des fous du roi, des noms qu'on... beaucoup de noms, beaucoup de noms. Donc, il faut que... ces personnalités fassent attention pour ne pas tomber dans le panneau. Je pense qu'avec le chef de l'État, l'entourage du chef de l'État est quand même futé, est quand même... enfin, il y a des personnalités assez intelligentes et qui savent ce pourquoi ils sont là. Et s'ils veulent aller aux élections, ils savent quand même la méthodologie à adopter, les stratégies à adopter pour pouvoir... les choses comme ça. Si vous venez de prendre l'émission au vol, sachez que vous êtes au laboratoire des analyses et donc nous sommes en train de parler un peu de ces agitations qui suscitent la candidature des hommes à quelques années des élections prévues. Et puis c'est le cas, nous sommes en train de débattre du cas de Olivier Bocor. Makoudianou, est-ce que vous répondez à ma question? N'est-ce pas une stratégie pour permettre à ce que le chef de l'État, pour décourager très tôt le chef de l'État, ne pas dire, bon, à ne même pas penser à modifier la Constitution pour revenir en 2026. Non, je crois que le débat n'est même pas à ce niveau-là. Ah, c'est parce que d'accord. Il faut voir d'abord ceux qui le font. D'accord. Il faut voir ceux qui le font. Ceux qui le font, est-ce qu'actuellement, ce sont... Ne pas être... Même Olivier Bocor, ça peut être des gens qui sont derrière, qui financent, c'est des analyses faisons, qui financent ces groupuscules pour dire faites-le, pour en même temps, vous comprenez ? Pour le pousser à l'action. Pour pousser le chef de l'État à la sortie, pour dire c'est fini. Non, j'aurais préféré qu'il le fasse pour pousser Olivier Bocor à se décider de rentrer dans l'arène politique, parce que c'est un homme d'affaires. Donc du coup, je me dis, le débat n'est même pas à ce niveau, parce qu'aujourd'hui, ceux qui suscitent la candidature de la personne de M. Olivier Bocor aujourd'hui n'ont pas de grande valeur. D'accord. Ils n'ont pas de grande valeur politiquement parlant. Ah, d'accord. Politiquement parlant. Donc, ça veut dire que ce sont de petits groupuscules, d'accord, qui sont... Des journaux aussi, hein. Journaux qui... Non, les journaux... Comme je l'ai lu ce matin, un journal qui a attendez, affiché attendez, sa photo... Attendez, quand d'autres, par exemple, organisent la chose, d'accord, et médiatisent ça, ça veut dire qu'ils sont aussi prêts à financer des journaux pour pouvoir faire. Pour communiquer. Pour communiquer. D'accord. Donc, je le vois sous cet angle-là. Donc, ceux qui le font aujourd'hui, je dis, ils n'ont pas... Ce sont des personnalités qui n'ont pas, en réalité, ou bien ce sont des groupuscules qui n'ont pas, en réalité, un grand poids politique. Parce qu'on prend l'échiquier politique aujourd'hui. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui le font pour un intérêt bien donné. Soit, ce sont des gens qui sont très proches du chef de l'État, d'accord, et qui se disent... Étant donné que le chef de l'État veut laisser le pouvoir, il veut proposer un dauphin, nous aurions préféré que ce soit cet homme-là qui est plus proche de lui et dont on bénéficie également de façon en sourdine des retombées, d'accord ? On propose celui-là, on préfère susciter la candidature de celui-là. Et là, on sait que tel que Sergino l'a dit, c'est sur intérêt. Okay. Qu'ils le font, c'est sur intérêt qu'ils le font. D'accord. Et quand ils le font sur intérêt, ça veut dire qu'à un moment donné, moi, ça me confirmerait en réalité l'option de choisir Olivier Bocor comme dauphin quand certains grands partis vont commencer par faire la chose. Exactement. Ou lorsque certains grands hommes politiques vont commencer par faire la chose. Aujourd'hui, ceux qui le font aujourd'hui, c'est à partir de la création de petits sous-groupes un peu partout dans le pays, d'accord,
Mais quand ça va aller au-delà, c'est comme ça, ça commence, c'est vrai. Mais quand ça va commencer par aller au-delà, ça donnera plus de confirmation à nous pour pouvoir savoir qu'en réalité, effectivement, on est sûr maintenant que M. Olivier Bocor ou le chef de l'État sont derrière, d'accord, et encouragent en réalité qu'on suscite la candidature de M. Olivier Bocor. Si vous permettez rapidement, avant de parler de ce dont on n'a pas parlé, si c'est M. Olivier Bocor ou les proches de Olivier Bocor qui suscitent la chose pour amener, pour pousser M. Olivier Bocor à se décider, je crois qu'ils ont pris par le bon bout. Le bon bout, c'est les hommes de Dieu, les pasteurs, qui ont quand même leur influence sur les fidèles. Je me rappelle, sous Boni Yayi, dans les encablures de 2011, avant son élection, il y a eu un grand meeting qui a été organisé par des pasteurs au stade de l'Amitié qui ont donné le mot d'ordre à leurs fidèles de voter le chef de l'État en son temps, Boni Yayi, qui était un messie, qui était un envoyé de Dieu. Et vous voyez, quand le pasteur qui est le représentant de Dieu, qui est loin de Dieu, dit à ses fidèles, donne un mot d'ordre à ses fidèles, il y en a même qui sont allés dire, votez tel candidat, il est l'envoyé de Dieu, c'est, je tiens ce que je dis de l'inspiration divine, c'est Jésus qui m'a parlé. Et donc, vous savez, nous sommes dans le champ de la foi. Olivier Bocor est très évangélique. Est très évangélique. La raison n'a rien à voir là. Il est très évangélique, on le sait, très fidèle. Et on a appris que par moment, il va dans des églises pour aller voir comment ça fonctionne et par moment manifester sa générosité dans ces églises. Je pense que c'est le bon bout. Mais est-ce que on peut dire, en tant qu'observateur de la chose politique, si l'homme ne réagit pas, c'est comme si les proches sont en train de le faire, même si lui-même n'a pas dit « je suis en train de le faire », mais il y a que ses actions se multiplient de jour en jour. Peut-être que ce week-end, maintenant, on peut assister à une déclaration ou un soutien. Mais ils le font de façon déguisée. Les gens parlent du bilan de chef de l'État et qui mènent beaucoup d'actions et qu'eux aussi n'ont pas encore eu leur part, mais qui ne sont pas fâchés, mais qui voudraient que leur parrain, M. Olivier Bocor, puisse parler au chef de l'État pour que, avant la fin du mandat, eux aussi puissent avoir leur part du gâteau. Enfin, je schématise, ils ne l'ont pas affirmé de cette manière. Quand on fait comme ça et on ne s'adresse pas directement au chef de l'État, mais on passe par un parrain qui est proche du chef de l'État, ça dit tout. Question et l'autre aspect que vous n'avez pas évoqué, n'est-ce pas un ballon d'essai? Peut-être ça peut être un ballon d'essai pour voir comment réagirait l'opinion publique, comment les Béninois vont-ils réagir. Le ballon d'essai, c'est de qui? Oui. De M. Olivier Bocor ou du président du chef de l'État? Mais écoutez, il faut avoir le courage d'aborder ce pan dans les analyses que nous faisons. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a rappelé rapidement au début de son intervention qu'il y a un problème de casting de personnalités politiques qui se posent pour pouvoir remplacer le chef de l'État si ce dernier tient à avoir un dauphin. Quand on sait que nous sommes au Bénin, le système de dauphinat a échoué, tout au moins sous les régimes passés. Mais depuis que Talon est là, le président Talon est là, il fait les choses autrement. Ce que je peux observer, il a rappelé déjà que les deux grands blocs qui soutiennent les actions du chef de l'État, l'UP et le bloc républicain, déjà à l'Assemblée, il y a un bras de fer, il y a une mésentente, donc la majorité... On est sûr que d'ici à là, ils seront vraiment en difficulté de dégager une personnalité qui pourrait quand même aller à cette élection présidentielle. Le ballon d'essai peut venir de ce qu'on envoie pour voir, dans l'opinion, pour voir quelles seront les réactions, pas forcément des populations, mais des acteurs politiques. Parce qu'ils vont se manifester, ils vont parler auprès de leurs militants et ça va se savoir. Donc je pense que nous sommes sur le champ politique, on ne peut pas déjà tout définir à l'avance, on va attendre l'évolution de l'actualité. Et nous sommes dans un univers où ce sont les faits qui parlent d'eux-mêmes, je continue de le dire. Dernière question. Et les faits ne parlent qu'aux esprits avertis. Dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, autour du chef de l'État, parmi les ministres, s'il y a des gens qui nourrissent cette ambition d'être président, ils peuvent faire susciter, ils peuvent demander aux gens de susciter leur candidature aujourd'hui?
au risque de se faire griller ou bien ça peut passer comme une lettre à la poste? Je crois que c'est un grand piège. Ça ne passera pas comme une lettre à la poste si vraiment ils veulent faire susciter leur candidature alors qu'ils sont encore au poste de ministre et autres. Je crois qu'ils doivent prendre forcément la bénédiction du chef de l'État d'abord. Ils doivent prendre l'avis du chef de l'État d'abord, qui doit leur donner son OK. Mais si le chef de l'État ne donne pas son quitus et qu'ils osent même susciter n'importe quelle candidature seront évincés du gouvernement, il n'y a rien à dire. Ce chef d'État, il est intransigeant sur ces détails-là. Et c'est pourquoi, quand je rejoins l'analyse de Sergino Locos tout à l'heure, je dis, quand le chef de l'État n'aura pas d'autre alternative au niveau des hommes politiques pour prendre la relève, je suis sûr que la personne la mieux placée pour prendre sa relève, c'est Olivier Bocco. En tout cas, il y a d'autres personnalités qui sont dans vous le avez chuté. Vous avez chuté. Ce que je dirais... Il n'a pas d'autre alternative. Écoutez, on ne peut pas empêcher aux citoyens béninois, fut-il ministre, directeur de cabinet ou qui occupe des postes stratégiques dans le sérail du chef de l'État, on ne peut pas les empêcher d'aller de manifester leur ambition d'aller remplacer le chef de l'État, on ne peut pas les empêcher. Mais ce que j'ai constaté, il y a une sorte de discipline que le chef de l'État a imposée dans son système. Et donc, si tu es ministre de la République et tu as des ambitions politiques, je crois que c'est, comme il a dit, recevoir l'onction du chef de l'État ou bien demander au chef de l'État que vous avez des ambitions politiques et il va vous décharger. Encore qu'il y a l'épée de Damoclès qui plane sur la tête de tous les ministres. Il n'y a plus de ministres intouchables. Aujourd'hui, on a vu quand même avec les dernières actualités du mois dernier de ce mois qu'il n'y a plus d'intouchables autour du chef de l'État, en dehors de peut-être son ami, enfin de son partenaire de vieille date, Olivier Bocco, et d'un certain nombre enfin, de personnalités que nous ne connaissons pas. En tout cas, ceux qui sont devant enfin, le feu de l'action, ceux qui occupent des départements ministériels, il n'y a plus d'intouchables. Et je pense qu'ils doivent respecter la discipline du groupe. Je l'ai dit dans mon analyse qu'il y a quand même une façon de faire qui est différente de ce que nous avons observé de par le passé. J'avoue que j'aurais bien voulu que le deuxième sujet soit abordé en ce qui concerne la police républicaine, mais sincèrement... ce n'est pas en 6 minutes qu'on va parler de ce sujet. Ce serait caresser le sujet. En 6 minutes, je pense quand même que vous avez suffisamment dit par rapport au premier sujet qu'on peut se permettre de revenir sur le deuxième sujet vendredi prochain. Pourquoi pas? Parce qu'il ne nous reste que 6 minutes. 6 minutes, on peut passer dessus rapidement. Hein. D'accord. Si vous le permettez, le deuxième sujet, il ne nous reste que 5 minutes maintenant. La police pourra-t-elle relever un jour le défi du rançonnement au Bénin? C'est quand même un défi, puisque quand on parle de rançonnement, c'est le citoyen qui tend l'argent au policier. Et si le policier arrive donc à désormais traduire des citoyens qui cherchent à les corrompre, je pense que ça va changer les choses. Quand est-ce que la police pourra relever ce défi? Je crois qu'au niveau de notre police, je crois que même au niveau de la Direction générale de la police, ils ont même déjà eux-mêmes en leur sein constaté que le rançonnement est revenu encore de façon plus criarde. Et qu'aujourd'hui, il faut quand même limiter les dégâts. Parce que lorsque vous avez donné l'exemple, par exemple, vous dites que c'est le citoyen qui tend l'argent, mais vous oubliez que parfois même, ce sont les policiers qui ouvrent la brèche, d'accord, au renseignement. Parce que, je donne juste un exemple, hein, lorsque le policier sait que vous devez pas brûler le feu, d'accord, et, ou bien vous n'avez pas porté votre casque et que vous roulez, d'accord, et il est à l'angle de rue, d'accord. Et il se cache dans l'angle parce qu'il veut vous appréhender pour pouvoir vous rançonner. Donc là, il se cache, il ne veut pas que vous le voyez pour pouvoir vous mettre sur le droit chemin, porter votre casque, mais il se cache et il attend que dès que vous apparaissez, il surgit rapidement pour pouvoir vous arrêter. On parle d'un phénomène qui se produit à mi-saison. Donc généralement, il faut dire que le problème du rançonnement est très criant aujourd'hui, que la complicité qui doit exister entre la population et la police, ça n'existe plus aujourd'hui. Cette complicité n'existe plus. Aujourd'hui, la population prend les policiers en adversité. Et c'est vice-versa. Ce qui ne devait pas être le cas. Mmh. On doit normalement voir les policiers comme... Collaborer avec les policiers. Il doit avoir un bon rapport. Complicité. Entre la population et la police. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Mais pourquoi? Parce que, vous savez, il y a aussi un autre problème qui a ramené un peu plus la... Vous avez la fusion de la police. D'accord. La fusion de la police républicaine.
la fusion de la police avec la gendarmerie. D'accord ? Ça a créé un grand problème de gestion au niveau de la police républicaine, de telle sorte que, au niveau des avancements, au niveau des grades, il y a un véritable problème qui se pose à ce niveau-là. D'accord ? Au niveau des positionnements également, il y a un grand problème qui se pose. Parce que les deux ne sont pas formés de la même façon. Les deux n'ont pas reçu la même formation. Donc, à un moment donné, lorsqu'on met l'autre à un poste stratégique, et que c'est peut-être le gendarme qui est là, et que c'est le policier qui le suit, et qu'il voit que le gendarme travaille mieux, par exemple, il y a un problème de jalousie qui se crée, et il y a même en leur sein des clans qui se créent. D'accord ? Il y a déjà un problème interne qui est là. Et lorsque vous laissez ce problème, lorsque la plupart des renforcements qui se passent, c'est au niveau de nos carrefours stratégiques. Lorsqu'on quitte ici, par exemple, commencez par Arconville. Vous prenez par Arconville, par Kota, vous prenez par carrefour Bido-Sessi, vous prenez par carrefour Ita. Le renseignement, c'est régulier sur cette tronçon-là, je vous ne le dis pas. Je ne vous le dis pas. C'est régulier sur cette tronçon-là. Et même lorsque vous prenez la nuit, à partir de 21h, vous voyez des policiers qui vont aller se pointer à des endroits stratégiques juste pour pouvoir fouiller, arrêter les motocyclistes, les rançonner. Vous sortez à 21h pour contrôler les pièces. Et déjà, même à partir de minuit ou 1h, vous disparaissez de la circulation. Or, c'est les heures normales où on doit vous voir beaucoup plus présent dans nos ruelles afin de pouvoir contrôler les indélicats, les voleurs. Mais vous vous positionnez déjà à 21h, 22h, on vous voit déjà au niveau des carrefours la nuit avec vos torches en train de pouvoir rançonner les populations. Et dès que minuit ou à 23h, minuit moins ou 1h, vous disparaissez déjà de la circulation. On ne vous voit même plus. Or, c'est un problème qui est très criard. C'est la sécurité des citoyens d'abord. Avant, ce problème de renseignement qui se pose, c'est la sécurité des citoyens. Et vous ne jouez pas forcément correctement votre rôle. Et vous voulez que l'État vous paie, d'accord, financièrement de façon plus consistante. Alors que ce qui est de vos obligations, vous ne les remplissez pas correctement. Ce qui est de vos obligations en matière de sécurité et en matière de non-renseignement, vous ne le faites pas. Je propose même qu'il faut qu'on commence par doter, surtout ceux qui font la patrouille. D'accord, pied de salle, et la patrouille motorisée également, il faut qu'on les dote d'une caméra. Surtout au niveau des points stratégiques, il faut qu'on les dote d'une caméra. Ou bien il faudrait qu'on encourage également les citoyens, lorsque vous voyez des injustices qui sont faites par les policiers, vous commencez par filmer et publier sur les réseaux sociaux. Ça va décourager beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de renseignements qui se font, il y a beaucoup d'injustices qui se font. Je ne peux pas citer tous les exemples parce qu'on n'a pas assez de minutes. C'est fini, il est l'heure. C'est pourquoi je ne voulais pas. Je pense qu'on ne va pas ajouter là. Il faut que les policiers découragent aussi les citoyens qui cherchent à les corrompre. Évidemment, le problème est plus profond que ça. Je voudrais qu'on ne jette pas la pierre seulement aux policiers. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ils font un travail énorme. Il faut les encourager. Pour ceux-là, parmi eux, c'est vrai qu'il y a des brebis galeuses parmi les agents de la police qui, quand ils vous arrêtent, on vous sudoie comme si vous étiez un étranger. Moi, je suis allé jusqu'à dire à un policier, je suis béninois, je ne suis pas un étranger. Même si j'étais un étranger, quand même, il y a le respect des droits de l'homme. La vie humaine est inviolable. Tu ne peux pas quand même attaquer de cette manière. Donc, je pense que le plein qui se pose, les gens ont faim. Il faut avoir le courage de le dire. Et moi, j'aime à le dire pour schématiser un estomac bien rempli produit des merveilles. Le policier qui a faim, le policier qui n'a pas pu payer l'ordonnance pour son enfant avant de venir au bord du carrefour, le policier qui a envie d'aller payer peut-être, d'aller répondre à une invitation d'un ami où il doit lui donner 5 000 et il ne l'a pas, c'est du pain béni quand tu tombes dedans. Et il y a le code, il y a que quand tu prends au sein de la jeunesse, moi j'ai écouté un peu les jeunes, quand ils ne mettent pas le casque et ils viennent là, ah tu n'as pas le billet bleu, il faut lui filer le billet bleu, il te laisse. Et c'est connu de tout le monde. Je pense aujourd'hui que le plan fondamental, c'est vrai que le directeur général de la police républicaine a sorti un communiqué. Moi je pense qu'au-delà de ce communiqué, il faut quand même essayer de motiver les gens, de les mettre dans les conditions qu'il faut pour que les gens n'arrêtent pas pour prendre 2000. Parce qu'ils connaissent déjà le code. Quand ils t'arrêtent, il y a des gens qui font comme ceci. Et tu leur mets la billet dans la main. Le billet, puis c'est fini. Je pense que fondamentalement, il faut réorganiser la police. Et il faut mettre les agents dans les conditions qu'il faut. On ne va pas jeter la pierre à X ou à Y. Mais je pense que c'est une situation qu'on a laissée de cette façon-là. Et pour régler ça, il faut partir du fond. Il ne faut pas seulement jeter la pierre aux policiers. Il ne faut pas seulement les insulter. Il faut un travail très, 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 très énorme, bien. Énorme. La pluie. Ils ont décidé d'offrir leur poitrine. Il faut surveiller ceux qui laissent leur poste pour parcourir les centres de jeu. J'en vois plein qui parcourent les centres de jeu, qui vont se droguer. Il faut que la police règle également ce problème-là. Les gars circulent dans les centres de jeu. Quand tu vas jouer à un jeu de hasard, alors que tu ne gagnes même pas quelque chose de consistant, tu vas perdre ton argent. Qui sont ceux qui circulent dans les centres de jeu? Je parle des agents de police.
Hein? Et quand tu vas perdre là, tu vas prendre toute cette colère pour venir manifester ça sur les pauvres citoyens. C'est anormal. Et surtout, ce que j'ai décrit beaucoup plus, c'est encore au plus la violence. Oui, c'est la violence. La violence qu'ils exercent, c'est très grave. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on commence par décourager. Et même s'il faut que la société civile s'organise pour prouver, pour constituer des corps d'avocats, pour à chaque fois dénoncer les injustices que les policiers font, ça va les décourager beaucoup plus. Et les injustices que les citoyens font sur les policiers qui va dénoncer. Et c'est fini pour ce numéro du Forum des rédactions. Les policiers, ce sont mes amis. Donc, On n'a rien contre les policiers. J'ai même mon frère qui est haut gradé dans la police. Les conditions de vie et de travail des policiers. Il faut améliorer les conditions. On en a parlé suffisamment. Ils ne jettent pas le dévolu sur les populations. Ça fait 1000 ans qu'on parle de cela. Ça vous répétez le vieux de paix et peut-être quoi. Enfin, paix à son âme. Même les supérieurs savent. On n'a pas vu le temps passer. Franchement, le plaisir est partagé. Merci de ne plus m'obliger à vous supplier avant de venir dans ce studio, parce que les Béninois ont envie de vous écouter, de suivre vos analyses. Et Marc Boujanou, merci. C'est un plaisir. Merci d'être venu. Merci. Sergino Lokosso, merci à vous. Le plaisir est partagé. C'est moi qui vous remercie. Nous avons parlé de la création tous azimuts de groupes de soutien à Olivier Bocor. Le concerné est-il demandeur? Vous avez suivi les analyses faites par mes débatteurs sur ce plateau, mais également, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour aborder la question liée à la police. Pourra-t-elle relever un jour le défi du rançonnement au Bénin? Nous y reviendrons. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Partagez l'émission et surtout, portez-vous bien d'ici à là. À bientôt.